Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une capsule un peu spéciale aujourd'hui. Oui, pourquoi on parle de nous? Pas que de nous 7000, on parle de la famille, on parle de 4, 5, 6 et 7000. Et pour tout décortiquer avec moi aujourd'hui, un t-shirt. Non. Ma collègue Hélène. Salut. Salut Hélène, ça va? Ouais, super bien toi. Ouais, super. Mais je suis tout impatient, je suis tout énervé, je suis tout excité. Qu'est-ce qui se passe le 26, Hélène? Roulement de tambour. Le 26, on vous présente la première plateforme wallonne digitale dédiée à la culture locale et aux arts. Bam! Rien que ça, tiens! Prends-le et allez, fais ce que t'en veux! Alors, non, allez, à quoi il faut s'attendre? Donc, c'est un tout nouveau site, Hélène? Oui, tout à fait. Nouvelle charte graphique. Nouvelle charte graphique, chaque mille aura sa belle couleur, mais c'est la Ferrari de la plateforme digitale, tu vois, tu sais même pas à quoi t'attendre, hein. Ça va être beau, ça va claquer, tu vas retrouver l'agenda comme d'habitude autour de toi, tu auras les chroniques écrites par notre super communauté de bénévoles, mais petite cerise sur le gâteau, tu auras la géolocalisation. Pam, 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 deux fois, tiens. Donc ça veut dire que je suis à Charleroi, hop, je tape géolocalisation, je vois tous les événements culturels qu'il y a autour de moi. Oui, et même pas besoin de changer et de passer d'un site à un autre. Tu seras sur le site de 7000 parce que t'as l'habitude, c'est ton site. Tu te balades à Charleroi, Namur, Liège, tu vas aller agenda, la map, hop, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ça te demande si tu veux bien, t'acceptes d'être suivi, tout ça, Internet, Big Brother, oh, machin. Yeah, yeah, mais yeah, yeah. Tu pourras voir ce que tu pourras faire le soir même. Tout à fait, je trouve que c'est très très bien. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas tout à fait les X1000, ça démarrait quand et comment, Hélène? Alors, en 2016, il y a un groupe de potes liégeois qui se demandaient quoi faire du week-end et qui se rendaient bien compte qu'en cherchant sur Facebook ou sur Internet, on ne trouvait pas toute l'information. Et donc, ils ont décidé de créer leur agenda culturel pour Liège. Et ça a été 4000.be. À Namur, ils ont trouvé ça trop cool, donc ils ont lancé 5000.be. Nous, on a lancé 7000 en juin de l'année passée et 6000 nous a suivis juste après pour Charleroi. Mais qu'on est beau, mais qu'on est grand, mais qu'on est fort et qu'on aime la culture. Bon, on parle des événements parce que tu sais, ce week-end, il n'y a pas que nous, malheureusement. Je trouve que les autres sont un peu fado par rapport à notre programmation, à tout ce qu'on va faire. Bon, on en parle après. On en parle après, ouais. Les événements, c'est tout de suite. On parle ici du week-end du 25, 26 et 27 novembre. On commence avec un de mes coups de cœur. C'est un mini festival de ciné-concert à Braine-le-Comte. Allez jeter un coup d'œil, je crois que ça va être très très beau. Et on enchaîne ensuite avec Clémix à la Jam en Folie à Mons. Antoine Dely. C'est mon cousin. Et en concert au théâtre communal de Binche. Ensuite, il y aura aussi Jean-Louis Moura en concert à Moucron. Guillaume Boudet au théâtre royal de Mons. Et Chris Dan à Silly. Mais attention, roulement de tambour le 26. Vous faites quoi? Vous venez à... Le lancement officiel de la plateforme wallonne digitale dédiée à la culture locale et aux arts. Bam! Et où ça? Alors ce sera au Cinex à Namur à 19h30 et surtout c'est gratuit. Tout à fait. Alors une grosse fête, il y aura une expo. L'expo de Surex, donc c'est un collectif de photographes namurois. Alors un scratch, vous venez, on vous donne un petit onglet, vous grattez la blinde de cadeaux à gagner. Un mapping de Jean Willike. Allez jeter un petit coup d'œil sur son Facebook. Moi, je suis super curieux de voir son taf et de voir ce qu'il va nous proposer. Et puis, en musique... Bah oui, on va faire la fête. Donc, en musique, on commence avec Claudie. Alors, c'est une liégeoise. Si vous voulez avoir plus de renseignements, tapez 4000.be. Vous allez voir, il y a tout un chouette article sur elle. Vous pouvez écouter de sa musique. C'est de la musique française style Angèle. Donc, c'est très frais pour commencer. On enchaîne avec... Jenny, la Namuroise. Oui, elle a que 20 ans. Elle a déjà fait les Ardentes cette année. Elle fait du R&B. Très, très sympa. Ensuite, on aura Jeanne d'Arc. Oh, DJ 7. Et on finit avec le Montois. Duke. Qui va nous mettre de la disco. Alors, on le vous répète, c'est un Namur, c'est gratuit, on a besoin de vous. Il y aura un décompte. Oui, on va évidemment vous présenter la Ferrari de la plateforme numérique wallonne. Et on fera un décompte pour vous présenter ça sur grand écran. Il y aura des paillettes partout, ça va exploser, des paillettes dans vos yeux, des flammes sur les côtés. Ce sera du tonnerre et vous ne devez pas manquer ça. Vous ne voulez pas manquer ça. Le Qatar nous envie, je vous assure. Alors, si vous avez aimé... Partagez, likez, regardez, kiffez, partagez votre grand-mère. Demande les clés à mamie, qu'elle fasse le plein, la dringueille. Et tu viens avec nous faire la fête à Namur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité un peu spécial. Vous verrez. Mais sortez de chez vous, prenez soin de vous, soyez curieux. Et puis des baisers.